Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous une randonnée quelque peu épique, avec des moments fou rire, des enfants épuisés, mais aussi des moments de jeu, des talents inavoués ou des talents cachés, des moments gourmandises. Bref, bienvenue dans notre 24 heures en montagne. Alors dans les vidéos qu'on a tournées, j'avais pas encore eu l'occasion d'en parler sur YouTube. Mais pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement appris la terrible nouvelle pour Nana. Nana qui nous a quittés beaucoup, beaucoup trop tôt. Sans rentrer dans les détails, puisque c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Au contraire, on tourne cette vidéo pour se changer les idées et pour revenir au taquet. Nana a fait une occlusion intestinale qui a très très mal tourné et elle a fait un arrêt cardiaque. Et ça a été extrêmement dur, c'est encore à vif et on réalise pas vraiment comme si on attendait encore et encore son retour à la maison. C'est aussi pour ça qu'on est à la montagne, parce qu'avec les enfants on avait besoin de se ressourcer, besoin de partir loin de la maison. Voilà, c'est pas facile mais la vie continue. Mais nous sommes dans une journée qui se veut positive. Je pense que ça va être plein d'aventures et de surprises parce que Loïc nous a prévu un planning très 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 chargé et on vous emmène dans l'étape la plus importante de la journée, le petit déjeuner. Juste j'ai oublié, avant d'aller déjeuner je vais vous montrer le cadre. Clairement, ça change de la vie. Mathis, c'est attendu à l'accueil. Petite salade de fruits, tu la partages avec moi? Non, je partage pas, tu sais que ça m'énerve. On en prend une pause. Petit yaourt fait maison, Nutella la maison. Ça, c'est bon, ça. Le cadre est quand même fou. Hein. Là, bébé, tu vois pas l'image. C'est extrêmement beau. Enfin, je sais pas si c'est le cadre ou toi qui est beau. Là, je l'ai dit avant que tu dises la vanne. C'est le cadre. Je pense que c'est le cadre. Mais pourquoi t'as pris ma salade de fruits? Mais elle est appétissante. Mais on a la même. Mais non, non, non. Moi, j'ai qu'une fraise et dedans, il y a tout ce que j'aime pas. Toi, t'as dit kiwi, t'as tout. Je me suis fait arnaquer. Alors là, bébé, ça, c'est ce qui fait que ça sent la montagne. Bon, moi, je mange pas de viande, mais par contre, je mange du fromage. Test ultime de l'œuf à la coque. Il est parfait. Tu as réussi ta journée. Je suis émue. C'est un 24 heures réussi, bébé. Bon, du coup, il est encore relativement très tôt. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire rapidement un tour du spa de l'hôtel parce qu'il est absolument dingue. Et là, clairement, c'est un peu la course parce qu'il faut qu'on aille ensuite à la randonnée que Loïc nous a préparée. Et là, clairement, je suis pas confiante. Mais alors, je vais te dire un truc, bébé, c'est que tu as bien raison. Parce que je sais pas d'où on part, je sais pas combien de temps ça dure, je sais pas si ça monte. Ça va être épique. Mais bébé, c'est l'aventure. On va visiter le spa. Oui, on y va. D'accord. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent tellement bon. Alors vous avez ici, à votre disposition, un petit massage des pieds. Et ça fait des bulles, ça masse les pieds, c'est super sympa. Nous avons ensuite ici... Ça c'est ouf. Une douche aromatique. Vas-y, on change de... J'étais pas prête. Je vais bugger mon tel. Le hammam. Je vais te faire visiter à nous. Je la connais, la fête. Bébé. Alors vous vous mettez vers là-bas. Et on tire là. Je la connaissais, dis-nous. Et là, en fait, on rentre dans un truc. Vous voyez, en fait, ils mettent des... Souvent, c'est du sapin. Qu'est-ce qu'on s'éclate dans ce vlog. Et en fait, c'est... C'est un peu comme, je dirais... Putain, une heure pour dire, bon, il y a des herbes et ça débouche le nez. Voilà, allez. C'est bon, il m'a saoulé. C'est un peu l'idée, effectivement, c'est un peu l'idée. T'as aucun style. Allez, on y va. Alors là, c'est dommage, il est couvert, mais votre imagination va travailler. Ici, c'est le jacuzzi. En fait, c'est encore fermé. Et regardez la vue que vous avez. Là, c'est dingue quand vous êtes dans le jacuzzi. Et du coup, si vous venez en Italie, en famille, vraiment, vous venez à Vernon. En plus, le village est super cool, c'est le village de Pinocchio. Voilà, on va se préparer pour la randonnée. On y va. Bon, on a fait les courses qui fut chaotique parce qu'on a dû courir dans tout le village pour trouver à boire, à manger, pour au final se rendre compte que l'hôtel proposait des pique-niques tout fait. Donc, on a perdu une heure pour rien. On a mis une GPS. Là, on a 40 minutes de route et on pourra enfin attaquer la randonnée de Nîmes. La randonnée commence maintenant. Je viens de mettre la simulation. Je sais pour combien de temps de marche on en a. Alors non, la vérité c'est qu'il pense savoir, mais il ne sait pas. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais pas vous le dire. On me fait confiance, tout va bien se passer. Est-ce que je peux préciser que déjà il sait pas où est le début de la randonnée? Pas sûr que tout le monde me parle ce soir, mais ça va être fou. Bon, on est au point de départ de la randonnée. Donc vous voyez, il y a tous les noms là. Il n'y a pas le nom de la randonnée que je vous... C'est bon, on y va. C'est par là. On est go. Bon alors, pour la petite anecdote, Ninou voulait nous faire partir là-bas. Et heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de demander à quelqu'un. Et en fait, c'est là-bas. T'as rien demandé, tu parles pas un mot italien. Oui, scusa, si. Posso domandare una favore? Si. Non capisco. Mais en vrai, c'est parce qu'on peut passer par là-bas aussi. Non, absolument pas. C'est pas au nord, c'est au sud. Rien à voir. Nous sommes face à un premier obstacle. Nous sommes sur une cascade niveau 3. Attention, Luan, c'est très profond. On l'a fait. Et après seulement 30 minutes de marche, on souffre déjà.
Ma loulou, elle souffre là. Allez, tu seras fière de toi à l'arrivée. Je vais faire quelques prises à la GoPro. Vous verrez encore mieux les paysages. Oh là 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 là. Nous, on se plante parce qu'on est à pied quoi. Bébé, demain, nous aussi, on le fait en vélo. Tu perds toute crédibilité avec ton sac Mickey quand même. Qu'est-ce qu'il a lui là? Fais pas trop le beau, Matt. Fais pas trop le beau. Tu puises dans ton énergie. Bon, alors, on est sur des chemins pas évidents. Et je ne crois pas si bien dire. On est qu'au début de la galère. Mais regardez. Oh là 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 là. On souffre, mais là, ça en vaut de plus en plus la peine. Et à tout moment, on croise un chamois. Bon, par contre, randonnée tranquille, ils nous l'ont un peu survendu, quoi. C'est quand même physique, hein. Oh, bébé, putain, c'est beau! Regarde, Loulou, toutes les piscines naturelles là-bas. Oh là là. Je vais me baigner. On avait peur d'avoir froid. En gros, le soleil, il fait trop chaud. Alors, le premier challenge va être de déjà laisser les pieds dans l'eau. Ouh! Ah, ah, ça fout des crampes! Ah! Ah! J'ai des crampes! Ah! 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 Ah. C'est pas ouf! C'est magnifique. On est pas mal là. Petite pause focaccia parce qu'on avait un peu faim. On mange pas vraiment là, c'est juste vraiment histoire de remplir les ventres. On est en communion avec la nature. T'es bien là? Bébé, il veut plus partir. C'est définitivement mon nouveau pote. L'amour est impossible entre nous. Allez, vol. On est déjà à 1h30 de randonnée. Et quand on sait que Ninou avait prévu 50 minutes de marche pour arriver au sommet, on en est bien loin. C'est vrai? Oh, c'est un caillou cœur ça. Ah oui, c'est... Tu crois plus en l'amour? T'as eu une déception? Qu'est-ce qui se passe, Louane? Edouard! Il est là, Jacob? Non. Nouveau point de vue. Mais alors, mais comme on est monté haut. Bébé, mais est-ce qu'en bas, là, c'est des termes qu'on voyait? Ouais, c'est même encore plus bas. C'est-à-dire qu'on est parti de là-bas? On va être trop fiers de nous. Ma loulou, tu l'as fait, on est quasi au bout. Mais c'est un peu bourré dans le timing. Mais... Oh, la plaine, elle est là-bas, on y est, ça y est. C'est bon d'arriver quand même. Hein. Là, les petits commençaient un peu à dépérir. Et en vrai, nous aussi. Là, il y a moyen de tourner des films de ouf. Oh, les décors sont malades. Franchement, quand on a fait de l'effort, c'est kiffant de voir des paysages de ouf. Qu'est-ce que passe ça? Ouh, je loupais quelque chose, j'arrive. Bah, tu remarques pas quelque chose par hasard? Quoi? Bah, le refuge, il est juste là. Ah, on arrive au refuge? Oui. Oh, yes! Eh, mais je suis trop fière de nous, trop fière des enfants. Ah, mais c'est trop beau, bébé. 765 mètres. Est-ce qu'on dirait pas le Canada, quoi? Ambiance canadienne à fond, quoi. Ninou, le refuge est là. Bon, on arrive au refuge, finalement, on a trouvé à manger, on va manger de la polenta. Franchement, vous avez géré. J'ai qu'une chose à vous dire. Bravo. Bravo, mes amours. Alors, il est important de préciser que cette polenta maison est absolument à se taper les fesses par terre. C'est de la bombe atomique, les enfants se régalent. La montagne, ça creuse. Bon, on est en train de reprendre la descente. Et autant vous dire qu'on est dans une ambiance un peu moins chaude et chaleureuse que tout à l'heure. Ça merci, caille. Papa. Merci. Franchement, la vue, elle est incroyable. Bon. Je suis pas confiant au niveau des nuages. Normalement, j'ai regardé. À la météo, ça le fait. On y va. On y va. On y va. Ça le fait. Allez. Pour vous tenir au courant, nous sommes à 8 km 5 quasiment. Mais j'aimerais juste qu'on félicite le guide parce que je vous ai pas menti. Je me suis pas foutu de vous, quoi. Non? Bon. Oh, bah, le félicitera après, alors. Allez. Mathis, tu rends les armes? C'est dommage parce que là, c'est vraiment le dernier ruisseau. Il y a 5 minutes, il était au bord de la mort et là, maintenant, il court. Le bout du tunnel? Ce qu'on avait enjambé en premier est là. Je l'enjambe. Je crois qu'on les a un peu séchés. Oh, Mathis, il s'est rêvé. De retour à la chambre. Bon, on est en petite pause. Pour vous dire la vérité, j'ai absolument pas la foi d'aller prendre ma douche. Et pourtant, croyez-moi, c'est plus que nécessaire après ce qu'on a marché. Bon, alors notre hôtel est là, ça, et on va manger juste en face ici. Tu ne manges que des choses qui viennent de la région. J'avais oublié comme c'était beau. Bon. Oh là là, c'est chalet à fond. On a eu des petites entrées de bienvenue. Omelette soufflée, petites carottes, olives farcies à la truffe. Oh. Et la vente. Oh là là. On a reçu les plats, ah oui. On est sur quoi? Petit esturgeon. Moi, on est sur du veau. Bon, restaurant terminé. C'était encore une fois, comme à son habitude, absolument incroyable. Bon, c'est ouf parce qu'on a marché 5 heures et ils sont pas fatigués. Je ne les supporte plus. On vous emmène dans une dernière étape de la journée, dans un endroit dans lequel on adore aller aussi quand on vient ici. Ça va être un peu sportif. Mais t'es pas fatigué? Non. J'en peux plus de... Siamo arrivato a destinazione. Et disons une chose qui est importante quand même, la partie de bowling ici, Ninou, coûte 2 euros. Je vais vous apprendre à faire un strike. Alors, c'est pas comme ça. Let's go. Oh putain, elle est belle. T'as fait mieux que moi.
Et Ninou, franchement, il est pas au top de sa forme. C'est... pas de strike en vue, pas quoi. Pas bonsoir, mon chat. C'est pas ton pas soir. Bonsoir. Allez, Mathis, en immersion. Oh, putain. Oh, pas mal. Mon chat, je vais pas te mettre la pression, mais tout se joue là. Ah, ils ont trouvé un jeu de touche trop génial. En fait, c'est un morpion géant, mais en version basket. Victoire de l'Ouen. Bravo, mon chat. Allez. Et j'y suis pas mal, là. On lâche pas. Allez. Oh, deuxième bleu. Et j'ai gagné 250 tickets. J'ai tout pété, la machine. La force aux débutants. C'est plutôt pas mal pour une première partie. Surtout... qu'on va bien dormir. On espère que vous avez kiffé ce 24 heures. Si vous voulez des 24 heures en live, vous pouvez nous suivre sur nos comptes Instagram juste là. On vous fait une avalanche de gros 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 bisous d'amour et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo, bien sûr. Bonne nuit. Bonne nuit.